Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Comme vous avez pu le remarquer, eh bien, je remets de temps en temps des anciennes vidéos et suite des extraits de cours. Donc hier, vous avez eu un résumé qui a été proposé il y a 2 ans maintenant, dans le cadre du temps, qui était un résumé très rapide de psychologie bouddhiste, c'est-à-dire les 9 égotypes qui correspondent à 9 types de démons. C'est vraiment une approche très superficielle. Normalement, c'est un cours qui dure plus de 3 mois. C'est un cours qui dure entre 20 et 60 heures, rien que sur ce point-là. Mais là, c'était un cours résumé pour vous montrer comme c'est sympathique de pratiquer la psychologie bouddhiste et comment on y retrouve la plupart des personnes qui sont autour de nous, y compris nous-mêmes. Alors, vous avez vu sur la vignette qu'il y avait une petite blague. Alors, j'ai décidé de la reprendre parce que j'ai envoyé des messages pour nous demander si je pouvais la donner en entier. Ce que je vais faire à la suite. En réalité, les 9 égotypes, on les a transformés en 9 types de complotistes ou de mecs qui flippent. Voilà. Donc, c'est exactement les 9 types que vous allez retrouver sur YouTube. Le type 1, le perfectionniste, ça va être Monsieur la Flippette. Alors, c'est quoi ce monde de bordel? Oh merde, on est tous foutus, comment est-ce qu'on va s'en sortir? On va se prendre des bombes atomiques, etc. La guerre avec la Russie, etc. Il y a le type 2, le sauveur. Alors lui, il est devenu complètement cinglé parce qu'il essaye de sauver le monde. Et le mec, il a complètement perdu toute notion de raison et de logique. Et donc, il veut sauver le monde, mais il n'y arrive pas. Et alors, il trouve trop fun de se mettre dans le monde en aggravant le problème. C'est-à-dire, il veut aider. C'est Mumu sauveuse, du mal. Elle va se sauver personne et surtout pas elle-même. Mais c'est vraiment la personne qui devient complètement folle à cause de la situation parce qu'elle ne sait plus où donner de la tête, elle ne sait pas si elle doit aider, elle ne sait pas si elle doit nuire, c'est des gens qui ont complètement perdu les boulons. Il y a le type 3 qui correspond aux réussistes. Chez les complotistes, ça donne l'antisocial. Qui dit, ouais, de toute façon, c'est tous des cons, j'aime pas les gens, ils sont tout le temps en train de nous péter les affaires, etc. Salut frère Alex. Ensuite, il y a le type 4. Qui normalement est le tragico-romantique. Là, ça donne un peu le genre Charlene Gals. C'est le mec l'ignorant indifférent. Ouais, ben, j'en ai rien à foutre de tout. Ça me regarde pas. Et puis, je vais aller couper du bois parce que il vaut mieux se dépenser physiquement que de supporter cette tragédie qui est le monde. Et je vais me faire ma petite maison dans la prairie. Voilà. Il y a le type 5 qui normalement est le mentaliste. Le mentaliste, c'est celui qui veut tout faire passer par son mental. Chez les complots, ça donne le chercheur de vérité. C'est le mec qui est obsédé par le passage de la planète X, la Terre plate, l'arnaque au don légal, Bluebeam, ARP, le MK Ultra, les reptiliens. Le mec est complètement obsédé pour tout comprendre comment que ça fonctionne le système. Il y a le type 6 qui normalement est le loyal. Alors chez les complots, ça donne le satellisé. C'est la personne qui est sur son téléphone toute la journée qui dit « Putain, bordel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais il n'y a plus de sens dans cette société. Mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Mais vraiment, mais on vit dans une illusion. Qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Puis il y a le type 7, qui est normalement le jouisseur. Alors lui, c'est le mec perdu qui fume des pétards. Il dit « Ouais, je vais faire un rituel à la pleine lune. » Mercure est rétrograde, donc faut pas trop m'en demander en ce moment. Moi je suis un portail énergétique, j'essaye de réharmoniser mes chakras, mon astro, ma numéro, mes cartes me disent que je suis vraiment pas connecté avec la résonance de Schumann. Je vais aller brûler de la sauge en faisant des ohms et ça ira mieux, quoi. Voilà, salut Nico. Et puis il y a le type 8. Le dramaturge, alors lui, c'est le leader. Voilà. Là, ça devient le dramaturge. Alors, c'est... Mais tu vois pas qu'on est des esclaves du système? Qu'on est des moutons? Mais
putain, mais réveillez-vous, les mecs. Et puis le type 9, qui est normalement le paisible, celui qui cherche la paix à tout prix, c'est le perché. Paix et amour, ma sœur. Je suis lumière, nous sommes tous un. Ashtar et les anges vont nous sauver, la constellation intergalactique, avec le plasma du soleil Alcyone, et grâce à la 5D, je vais rentrer dans l'ère du Vexo métacosmique. Voilà. Bon, alors ça, c'est les 9 égotypes, version internet, version conspi-complot. Ils sont assez sympas, mais quand même, ils craignent un peu. Voilà. Donc c'est une bonne occasion pour vous, eh bien, d'étudier la psychologie bouddhiste. On va faire ça au mois de mai. Vous aurez un cours de psychologie dédié sur une journée complète. Qu'est-ce qu'on va y faire? Je vais vous apprendre à visualiser, je vais vous apprendre à structurer votre mental et je vais vous apprendre les 9 démons, les 9 égotypes. Et puis on chantera ensemble « c'est la salsa du démon, salsa ». Non, je blague. On aura les mantras qui correspondent et comment sortir des égotypes. Ah, ciao, bonsoir. Dans un...